Salut tout le monde les gens, ici Baboulini pour le 11e épisode de notre let's play sur Phantom Hourglass sur DS, et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes au début du Temple du Vent, le deuxième donjon du jeu, où on était arrivé après avoir exploré tout un tas de trucs dans la mer du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, récupéré tout un tas de gouttes, de cartes au trésor, fait quelques quêtes qui nous ont permis d'obtenir notamment deux réceptacles de cœur. Et aujourd'hui on est prêt à affronter le Temple du Vent, où se cache le deuxième esprit dont on va avoir besoin pour retrouver le navire fantôme et Tétra. Et bah aujourd'hui je vous propose d'explorer ça, de récupérer tout ce qu'on peut, d'aller tataner un boss, de repartir avec un cœur de plus. Bref, là comme il dirait dans, je crois que c'est dans Astérix, la routine habituelle quoi. Dans tous les cas, avant de commencer, je vous rappelle que comme ça, des moments épiques et les faits avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag fait les faillels, plus ou moins pour ajouter à la compile. J'en profite aussi pour préciser que dans ce donjon, nous aurons deux gouttes à récupérer, une de courage et une de force. Donc normalement, on devrait passer à 4 au niveau, au niveau du vert et du rouge aujourd'hui. Allez, donc on va se mettre en route. Alors qu'est-ce que c'est dit? Nous voilà enfin à l'intérieur, Babou. Apparemment, nous n'échapperons pas au vent ici non plus. Ok, bah, tant qu'on passe quand il n'y a pas de vent, moi, ça m'est égal. Ah, je pensais que... Voilà, là je suis passé. Alors, très bien. Bon, je pense qu'on doit pouvoir se mettre là et lancer une bombinette pour faire double boom. Caverne Dodongo style. Yes. Oh, double passerelle des fois qu'on a envie de passer à gauche ou à droite, comme on est trop des fifous. Allez, pète-y la gueule. Non, par contre, c'est parce que... Alors, attends, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, attends, je suis en train de me dire, on pourrait se servir de ça comme d'un bouclier. Genre, on le met là. On passe de ce côté. Et on active ce truc et on le tire. Et genre... Au hasard, hasardeusement... Attends. Ah, je pensais qu'il y a quelque chose. Alors, on passe tranquillou comme ça. On va... Donne des coups, mon petit Link, merci. On reste bien par ici. Il faut pas oublier qu'il y a la statue qui nous indique les coffres ici. Ça pourrait être intéressant d'aller la voir. Vilain le blob. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre par ici? Ok, est-ce qu'on peut ouvrir une des deux portes là? Celle-là non, celle-là... Ouais, celle-là on peut. Attends, déjà là, on peut se faire un petit raccourci je pense. Ouais, tranquille. Voilà, pète-lui bien sa figure. Là, je pense qu'il va y avoir du vent, il va falloir qu'on passe en fonction du vent. Oh, la petite vilaine! Voilà, pour la peine, tu prendras un coup d'épée dans ta tronche. Voilà. Excellent. Hop, un petit saut comme ça, parce que bien sûr, il faut faire de la plateforme dans un bon temple, hein, sinon c'est pas drôle. Alors là, je suis pas devin, mais il va y avoir de la baston. Oh, des serpents, je pensais que c'était des vrais ennemis. Voilà, en 3 secondes et demie, c'est réglé. Contre les portes qui mettent, si vous pouvez mettre encore plus de temps à vous ouvrir, ça serait vachement cool. Oh, regardez-moi tous ces rubis. Rubis ! Alors. Je pense que déjà, on va déblayer un peu la zone. À la limite, attends, y avait pas la statue là dans le coin ? J'ai envie d'aller lui causer. Eh, madame, la statue, dis-moi où sont les coffres, s'il te plaît. Il en reste un. Vas-y. Il est ici. Oula, c'est complètement à côté. Est-ce que je vais arriver à le mettre où il faut un jour? Est-ce que je vais arriver à le mettre où il faut un jour? Titre de ta sextape, bien sûr. Alors, on a un coffre quelque part par ici. Tu peux y aller. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Probablement prendre les geysers. Attends. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec ce bloc? Ah, il faudrait probablement mettre une... Ok, d'accord. Il y a un coffre ici auquel on pourra probablement pas accéder tout de suite. Je pense pas que le bloc nous a une quelconque utilité pour l'instant.
Bon, je pense tout simplement qu'on va faire un YOLO, pas un YOLO. Ah, attends, est-ce qu'on pourrait pas pousser ce truc? Non, non. Tu le pousses, mon petit. Genre, au hasard, aléatoirement random, sur l'un des emplacements désignés, genre, tu fais ça et tu fais... Oui, tu passes. Et là, tu fais un petit pont des familles. Ou une petite ouverture, ça marche aussi. Et on arrive... Ah oui, d'accord, on arrive par là. Très bien. Allez, on va descendre, premier sous-sol. Il va y avoir de la baston. Trois ennemis. Attends. Tu voudrais pas une bombe sur le coin de la tronche, toi? Monsieur le blob. Là. Mince. C'est pas trop qu'est-ce que j'avais en tête. Je peux avoir un choupetteur, s'il vous plaît? Voilà. C'est mieux. Vous me filez un truc? Je sais pas, ça mérite un coffre, j'en sais rien. Ouais, ça mérite surtout, j'aille me faire en papa outé. Mais ça, on va dire, c'est un détail technique. Ok, ok. Ah. Récupère bien tranquille. Ok, oh. Voilà. Bon, ça attend que c'est que des petits blobs, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Des mini-blines. Bon, on va vider un peu la salle, on va faire le tour tranquillement. Ce mine de rien, c'est une grande salle. Il y a probablement plein de gens à qui on peut dire bonjour. Des gens probablement très adorables. Ok, un bloc par ici, un coffre par là. Attends, le coffre qui est là, on pourrait le noter. Il y a un coffre un peu plus à gauche. Et un coffre ici. Oh, 20 balles. Il n'y avait pas un autre coffre, genre... Ah non, je crois qu'il y avait un autre coffre, genre par là. Ok, il faudra très probablement mettre les souffleurs en position pour qu'ils puissent souffler. Ok, il y avait une stèle et un interrupteur. Je pense qu'on va aller lire ça dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand deux ailes battent, les portes s'ouvrent. Logique. Après, ça va vouloir dire qu'on doit passer par ici. Alors, déjà, première chose. On peut pas atteindre le... Ah si, on entend. Est-ce qu'on peut atteindre le coffre ici? Qu'est-ce que c'est? Ok, la goutte de courage, c'est fait. Donc du coup, le coffre qui est là, c'est récupéré. Donc l'une des deux... On a l'une des deux gouttes qu'on était venu chercher. Merde. Ça défaille comme ça, en passant d'un truc à l'autre, vous allez en voir un paquet, je pense. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, ça a pas l'effet escompté, d'accord. Il n'y a pas moyen de grimper là-haut? Là, je vois une passerelle. Ah, mais par l'autre côté, d'accord. Ouais, par l'autre côté, très bien. Alors, on va probablement faire un truc à faire avec le bloc qui est ici. Attends, je peux descendre par là et continuer à explorer. Un autre coffre. Un corail rose. Ouais. Un corail rose, t'as le pimpon. En fait, il faudra peut-être qu'on arrive à pousser le bloc là, pour qu'on le bloc jaune, pour qu'on puisse passer. Donc peut-être, je vais tester un truc. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'on pourrait... Je vais tester un truc, on va voir ce que ça donne. Faire un truc comme ça. Ouais, non. C'était pas l'idée du siècle, on va dire. Alors, voyons voir. Attends. Hey!
mais attends une seconde, c'est bon, je sais où il faut le mettre. Non, pas dans mon cul. Mais je pense, très sincèrement, qu'il faut qu'on le mette ici. Comme ça, ça bloque ce truc-là. On utilise les geysers pour se mettre dessus et on peut passer. Normalement, c'est bon. Normalement, ça passe. Regardez, on fait un geyser, deux geysers, et pouf, on est sur le bloc et on continue. Un peu de baston ou pas? Non, on descend au deuxième sous-sol. Ok, ça a l'air d'être le dernier sous-sol. Oh, salut. Coffre au trésor ici, il en reste deux. Ouais, vas-y, fais péter. Alors, donc on a un coffre au trésor. Oula. Ici. Et. Évidemment, j'ai pas la gomme. Et. Là. Merci, monsieur. C'est bon, c'est fait. Ok. Bah déjà, on va utiliser une bombinette là-dessus. Et on a une giga salle. Ok, il va probablement falloir qu'on creuse. Alors, attends, c'est les espèces de pimponneries là. Ouais, c'est les espèces de pimponneries. Ça fait quelque chose de faire ça? Il faut quand même qu'on fasse gaffe. Limite, on va essayer de rester sur le chemin parce qu'ils ont pas l'air de pouvoir. Ouais. Ils ont pas l'air de pouvoir faire quelque chose tant qu'on est sur le chemin. Donc on va. Voilà. Si on est là en mode. Creuse sur ton chemin. Évite les mobs sinon tu te fais bouffer comme un énorme pimpon. Ah! J'ai allumé une torche. Comme la fameuse chanson de Johnny, allumer la torche. Qu'est-ce que ça dit? Le silence et des pas mesurés garderont les dormeurs assoupis. Et on a une carte. Quand tous les piliers du vent se lèvent, les portes s'ouvrent. On va mettre ça sur notre carte. Alors, on va mettre des points plutôt. Quand on a un ici. On en a un quelque part par là. On en a un peu plus à gauche. Quelque part par ici. Et le dernier est ouais, à la verticale. Donc ici. Ok, c'est noté. Ouais, c'est bon. Moi je passe, regardez sa tête bitches. Alors là. Cette colonne devant. Parfait. Le coffre ici, qu'est-ce que ça contient? Je veux juste savoir que contient le coffre, s'il vous plaît. Et la goutte de force, parfait, je peux fermer la feuille de route. On a tout ce qu'il nous faut dans ce donjon. Bon, bah, celles-là, elles étaient données. Ok, là. Et il nous en reste un dernier. Mais vous faites même pas mal, les mecs, là. Ouais, sur les trucs de sable un peu plus dur comme ça, ils viennent pas, hein. Ah, ça moufte pas, hein. Ah, croyez-moi, ça moufte pas, hein. Ok, et ici. Là, normalement, tout est ouvert. À la porte, là, ici. Déjà, je vais aller voir la porte qui est à côté, si on peut. Parce qu'elle est juste à côté. Ok, donc du coup, les trucs à enlever... Attendez, les trucs qui ont été faits, je vais les enlever de la carte. Donc ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et ça, c'est fait, on n'a toujours pas ouvert la porte à droite, par contre. C'est quelque chose d'intéressant à droite. D'abord, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, attends. C'est intéressant de savoir qu'il y a 100 rubis par ici. À la limite, est-ce que je peux sortir avec une bombe? Je vais essayer de sortir avec une bombe si je peux. Non, il la garde pas. Parce que attends, je peux passer par ici, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On va grimper. Que dites-vous, cher monsieur?
Plus un seul coffre au trésor, ouais. Ah bah tiens, on est là où il y avait l'énigme. C'est vrai qu'on pourrait résoudre les portes. L'énigme, il y avait une autre zone où il faudrait qu'on aille. Bah remarquez, non. C'est bien qu'on ait fait ça. Oui, d'accord, on est obligé de faire les deux. On est obligé de faire les deux. On est obligé. Bon, on sait qu'il faudra revenir de l'autre côté. Donc du coup, ce serait quelque part. Il y a une fissure. Non, il n'y a pas de fissure. Presque. Je pensais arriver à passer sans me faire choper. C'est toujours le truc là-bas qui est pas ouvert. Hein. Donne les cœurs, farpet. Parce que là, j'ai toujours pas l'item du donge. J'aimerais bien avoir l'item du donge, ce serait cool. Voilà, j'ai juste à tirer ça de deux côtés. Normalement, tout devrait s'ouvrir là. Tout à fait, cher canard. Voilà, là, normalement, c'est bon. Et j'ai une clé. Ah oui, c'est vrai que c'était une porte fermée à clé à l'étage inférieur, c'est vrai. C'est vrai que c'était une porte fermée à clé maintenant que j'y pense. C'est vrai que j'aurais aussi noté les portes fermées à clé sur la map, ça pourrait aider. Parce que là maintenant, je peux revenir par ici. Et ouvrir la porte qui est là. Et surtout, il y a un coffre qui nous attend là-dedans. C'est un gros ou un petit coffre? J'arrive pas à voir. Oh! On a gagné quoi? Des bombes! Yeah! Allez, à seulement 10 par contre, hein. Alors. Je mettrai une bombe quelque part. Par ici. Ah, t'as pas aimé ça, bâtard! Non? Allez, fais boum. Bon endroit. Voilà. Non, parce qu'il y avait 100 balles. Moi, je les veux, les 100 balles. Yes! Alors, où est-ce qu'on avait besoin? Alors, du coup, le coffre qui est ici. On peut l'enlever. Et on sait que le coffre qui nous reste, c'est la grande clé. Oh, nice! Tout juste. Je peux avoir un drop de bombe, s'il vous plaît? D'accord, je vais me faire voir. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était bloqué par ici, par des bombes? Voyons voir. Oh, attends, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Un drop de bombe, toujours pas. Des rubis, c'est bien. Un drop de bombe, c'est mieux. J'ai peut-être une idée. Peut-être qu'en passant par ici et en dropant une bombe depuis l'étage inférieur, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre. J'avais vu l'interrupteur ici, là. Oh, ça a l'air de passer, ça. Ça ouvre cette porte. Est-ce que du pont, on peut descendre? Ah, oh, d'accord. Ah, on peut pas descendre. Ah, ça pue, ça. Mais ça pue du gluc, même. Ok, ça veut dire qu'il faudrait arriver. Attends. Peut-être que. Si je reviens à l'étage supérieur et que j'essaie de trouver une autre porte pour passer, ça doit être ça. Maintenant qu'on a les bombes, on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut passer par ici? Ça, c'est un retour arrière. Ouais, c'est un retour arrière par ici. Concrètement, il faudrait qu'on puisse accéder à la partie là-bas à droite en fait. D'ici, il faut qu'on refasse tout en fait. C'est juste ça le problème. Bon, c'est pas bien bien long, mais tout de même. Ok. Là, c'est nickel. Non, je passerai! J'y vais, tête baissée! Hashtag YOLO!
là. Tranquillou. What? Mais tu sautes pas droit, mon cher Link. Tu sautes pas droit, mon cher Link. Titre de ta sextape, au passage. Je peux avoir un drop de bombe, s'il vous plaît? Ouais, parce que la grande clé est là-dedans, du coup, par déduction. J'ai envie de dire... Est-ce qu'on balancerait pas une bombinette par ici? C'est pas mal, hein. Ok, donc faut qu'on accède ici pour mettre la grande clé. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse... Est-ce que je peux regarder la carte? Comment on accède à cette zone? C'est la zone, là, on peut pas y descendre, hein. Attends. Ça descend. Oh, par ici. Par ici. Je vais entourer cette zone sur le moins 2 et on va y aller. Wout, 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 wout. C'est mieux. On va retourner au moins 2. Parce que je pense que la réponse est là où j'ai mis ma... Là où j'ai entouré quelque chose. Parce qu'il y a un escalier qui est pas affiché. Enfin, il y a un escalier descendant, c'est-à-dire que c'est un escalier qui permet d'aller au moins 2. Mais il manque... En fait, il y a 3 escaliers qui permettent... Il y a 4 escaliers qui permettent d'aller au moins 2, mais il n'y en a que 2 ou 3 sur la map. Donc, à mon humble avis, si je vais dans la zone que j'ai entourée, et que je mets une bombe, il doit y avoir moyen de moyenner la moyenne. Oh punaise, oui. C'est pas qu'il y a moyen de moyenner, c'est que c'est par ici en fait. Hein. Du coup, ce truc-là, je vais l'enlever. Voilà. C'est mieux. Ah oui, effectivement, il y avait une salle cachée. Merci pour les drops de bombes, c'est gentil. Voilà, comme ça, là, j'ai accès au reste. Voilà, c'est mieux. Ah, attends, déjà, on va peut-être vider la zone si on peut... Ah oui, d'accord. Bon, remarquez, au pire, on peut faire un truc du style... On balance la bombe et on bouge. Pff, oh, cette explosion, c'était beau. Le... M'en fous, je suis passé, tas de bitches. D'accord, c'était un faux. Qu'est-ce que ça dit? Un mur sans faille n'est pas solide pour autant. Étudie tous les murs. Ok. Au hasard, j'irai ici. Je sais pas pourquoi, hein. C'était une intuition, genre il y avait une dalle devant pour dire... Eh, regarde par ici, ça peut t'intéresser, poteau. Voilà, là, normalement, on est pas mal. On va ouvrir la pop-porte. On récupère ça. Et normalement, voilà, là, on revient. Là, on va tout faire péter. Attends, je pense que ce mur doit être... Ah merde, j'ai plus de bombes! Je n'ai plus de bombes, vous êtes sérieux? Comment ça, je peux pas utiliser mes bombes? Ah oui, j'en suis à 0. Mais je me suis fait voler mes bombes ou quoi? Ah ça, c'est un problème problématique, hein. Donnez-moi un drop de bombes, s'il vous plaît. Non, des bombes. J'ai besoin de faire boum. Mais me donnez pas des cœurs, tas de cons. Donnez-moi des bombes. Attends, il y a peut-être des bombes dans ces vases ici. Oh, mais filez-moi des bombes. Bande de rats. S'il vous plaît.
Je dois faire combien d'allers-retours pour avoir des bombes? Surtout que j'en ai besoin que d'une seule, hein. Peut-être que je vais revenir ici pour avoir 3 bombes. Bon. Je pense que je vais en profiter et en farmer pour remonter à 10, hein, ça sera plus simple. Voilà, bon, 9, on va dire, ça fait l'affaire. Voilà, comme ça, on est tranquille. Je vous impose pas plus de farm, c'est très bien. Parce que bon, après avoir farmé les cordes, les huiles, pour aller chercher l'effet du pic des neiges, hein, on connaît. Là, normalement, avec 9 bombes, j'ai de quoi faire péter tout ce bordel. Croyez-moi, il va y en avoir de partout. Ah, mais je dirais même que t'en vas être un fils ici, voilà. Là, ça va faire boulot. Tu regardes là où il y a les dalles, ça passe généralement. Puis il y avait des bombes juste derrière, c'est genre en mode... Eh, on est des trolls. Ok. Bloop. Et bloop. Ou alors je suis en train de me dire, attends... Au milieu, ça fait. Voilà, c'est mieux. Là, donc, normalement, dans le tas, ça va être la grande clé. Et on a déjà déblayé la zone, donc on devrait être tranquille. Elle est vraiment énorme, bah oui. Heureusement, elle est juste ici. Et voilà le travail. Bon, et si on est tâtonné le boss en faisant gaffe à l'écran du haut cette fois pour avoir des infos? Ah non, parce que Braziar c'était... Eh, mais fallait le faire dans cet ordre-là en vrai! Allez, attends, je voudrais juste... Ah, je voulais juste effacer la, la mention que j'avais sur le... Bon, ressortir, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, on a une belle carte toute propre. Ah. Quelque chose me dit qu'il y a du vent dans le coin. Alors non, je peux revenir à l'entrée du temple, mais on l'active quand même, hein, because reasons. Je pense que j'ai tout. 10 bombes, 6 cœurs. En avant. Oh, on est dehors. Bonjour monsieur. Poulpatine, empereur du vent. Allez, regarde, il fait. Le Sénat, c'est moi. Attention, cette créature peut invoquer des tornades. Oui, effectivement. Est-ce qu'on balancerait pas une bombe dans les tornades? Elle a la perspective, c'est pas... Attends. Ah, t'aimes ça, salope, hein? Voilà, y'en a que je te pète la figure. Je veux des bombes. Donne-moi des bombes. Ah, d'accord. On a des choupetteurs si besoin. Oh, on a failli tomber dans le vide, ça, ça pue. Voilà, t'aimes ça ma grosse, hein. Bon, y'a pas à regarder grandio, c'est sur d'où il est en fait, en vrai. Ah, des bombes, c'est ce que je voulais, merci. Vous êtes un caca, cher monsieur, vous êtes un caca. Ok, on surveille où sont les tornades. Ah, on l'a... D'accord. Maintenant, tu me fais des feintes, petit vilain. Attends, il se protège ? Le mec se protège. Attends. Est-ce qu'il faudrait pas lui balancer une bombe quand il fonce, là, maintenant? Qu'est-ce que je fais? Ah, il est revenu à sa... à son truc plus ou moins normal quand il était en l'air. Ah non, mauvais timing. Ah, tu l'as dans l'os! Je peux avoir des bombes, s'il vous plaît. Des bombes, merci. 8 bombes, c'est quand même mieux. Non.
Allez. Est-ce qu'on peut lui... Voilà! On lui a pété la figure en deux-deux. Là, il n'y avait pas de souci de savoir l'ordre dans lequel fallait faire les choses. Woub. Ah, il est transformé en sable. Est-ce qu'on peut rajouter ça à notre sablier fantôme, s'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaise? Ce serait fort appréciable et fort apprécié. Oh yeah! Vous obtenez plus de sable pour le sablier fantôme. 2 minutes ont été ajoutées. J'en mets 12! Et le fameux symbole. Oh, bonjour. Je suis Neri, l'esprit de la sagesse. Merci d'avoir terrassé ce vil monstre. L'enchantement est brisé et je suis enfin libre. Regarde, Babou. Cette fois, c'est Neri, l'esprit de la sagesse. On a tous la même voix, mais c'est pas grave. Nous sommes venus ici pour te demander de l'aide. Le roi des mers doit être enfermé quelque part. L'esprit de la force est aussi avec vous. J'accepte! Ouais! Neri, l'esprit de la sagesse, a rejoint votre groupe. Plus qu'un esprit et à vous le navire fantôme. Ça, c'est quand même la classe. Bon, il ne reste plus qu'une chose à faire avant de partir. Récupérer, bien sûr, un cœur supplémentaire. Et on va mettre les voiles, on n'a plus rien à faire ici. On a 2 esprits, on a des bombes, on a un cœur. Que demande le peuple ? Bien, eh bien écoutez mesdames et messieurs les gens, c'est là-dessus que je vous propose de conclure ce nouvel épisode de Phantom Hourglass. Je vais vous remercier de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera super plaisir. N'oubliez non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit, tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir, les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, vous connaissez le mic. N'oubliez pas non plus d'aller jeter à la chaîne Twitch ainsi qu'à la chaîne de VOD dans la description, et en attendant le retour à l'île Melka dès le prochain épisode pour probablement une nouvelle visite du temple du roi des mers, à moins qu'on ait des goodies à les récupérer avant. Je verrai ça entre les épisodes et je vous dirai. Dans tous les cas, je vous remercie encore 1000 fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à ciao, bonsoir.